plus vite que toi. Ouais, mais j'avais pas appuyé sur REC. Mmh. Donc, on redit. Bonjour. Bonjour! Donc, c'est parti pour le déballage du Du FunQuest. numéro 33. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Vacances qui fait pas trop chaud. Aujourd'hui, il fait un peu lourd aussi. On sort à le vent, on dirait à la mer. Bon, il est très chaud. Ok. Sinon. Donc, le numéro 33 avec des éléments de décor. Voilà. Des tunnels. Pas des tunnels, des tuyauteries. Des tunnels. Cool. Avec dedans donc, les maîtres de chapitre, les pendants d'aimants et les barricades dans les parties. Donc, maître de chapitre, hein, c'est tout simplement le big boss en fait d'un chapitre espace marine. Là, c'est un des Ravenguard. Quelles sont ces griffes et la Volverine? Ouais, sont des sacrés griffes. Ils ont des réacteurs dorsaux aussi. Ils peuvent voler alors. Ouais. Alors que les Space Marines normales, ils peuvent pas voler. Si, il y a des classes ici, il y a des escouades équipées avec des réacteurs dorsaux ici. Mais la Raven Guard, qui sont comme ça en fait, ont beaucoup de réacteurs dorsaux dans ce chapitre-là. Et chaque chapitre a un petit peu son truc à part. Hein. Les Space Wolves, c'est plus tiré loup, machin. Eux, c'est plus tiré aéroporté. Ok. Comme du chapitre, hein, c'est un big boss, chef d'armée. Généralement, où il y a un vote, comme ici, il y a un vote, ou il y en a un qui est désigné d'office par l'ancien chef de chapitre, ou enfin, il y a plusieurs manières de devenir chef de maître de chapitre. Je tourne. On peut voir ici qu'il y en a différents. Donc, il y a Pedro Grantor, le maître des Crimson Fast, le haut maréchal Elbrecht des Black Templars. Et Kaivan Schreit de Ravenguard, qui est devenu normalement maître de chapitre, si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps. Et l'ont passé en primaris. Donc c'est pas lui qu'on vit de l'autre côté. La garde d'honneur, en fait, qui dit maître de chapitre, dit garde d'honneur, garde du corps, en fait, en gros, c'est ça. C'est un ultramarine. Voilà, garde du corps. Et peuvent être les espacemen classiques, peuvent être promus au grade de garde d'honneur. Après beaucoup de siècles de service, des services vraiment exemplaires, tout ça. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir fait ses preuves. Voilà, en gros, il faut vraiment avoir fait plusieurs siècles de bon loyaux service. Et ils sont prêts à sacrifier si besoin sur le champ de bataille. Ensuite, factions, donc un petit par contre sur les factions, les cités de l'Imperium. Donc on en a eu quelques-uns il y a quelques conquests, hein, avec les différentes planètes. Toujours assez sombre hein, les univers, leur planète. Donc, on peut avoir un garde impérial, des mutants. Ou des serviteurs, des fois les serviteurs sont des humains reconditionnés, on va dire, presque en machine, quoi. Une bataille, donc un résumé de bataille, je trouve que c'est des Blood Angels, je connais leur insigne. Ceux-là, ils ont des ailes, t'as vu? Ouais, c'est les Blood Angels, en fait, réacteurs dorsaux, donc juste des ailes sur le côté en plus, c'est tout. Ok, c'est juste pour faire beau, ça, c'est pas les ailes qui leur permettent. Non, 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 c'est pour le style. Ouais, Blood Angel, ange. Voilà, Blood Angel, c'est les anges de la mort. Les anges de sang. Bon, j'en ai eu avec Space Hulk. Souvent armé en rouge. Avec là-bas, leur chef, c'est. Il y a des ailes aussi, leur chef, leur marque. C'est pas des vampires. C'est pas des vampires, mais ils ont un syndrome de rage du sang. On dit qu'il y a trop de sang, ils peuvent être un petit peu incapables et ils ont la rage noire. Donc ils peuvent devenir hyper agressifs, hyper sanguinaires. C'est un de leurs problèmes. Comme les Space Wolves qui peuvent devenir hyper impulsifs aussi, hyper brutal, quoi. Que leur couleur, hein, c'est le rouge du coup. C'est gris, Dark Angel c'est vert et Ultramarine c'est bleu. Et donc le thermoconduit à plotement, comme on fait ça comme un avare. Donc ouais, c'est le guide d'assemblage. Voilà, comment on fait le thermoconduit à plasma. On va voir ça coller. On un peu. Donc, il y a plusieurs éléments à mon avis. Plusieurs conduites. 1, 2, 3, ouais. Il y a des supports pour les mettre au sol. Ici, on voit une conduite qui est abîmée. Le bout ouais, pour faire style. Ouais. Pas faire un style un petit peu abîmé. Quoi.
Bien sûr que si c'est un champ de bataille, ça peut pas être toujours tout beau, tout propre. Ça, c'est sûr. Donc il y en a plusieurs. Les panneaux de contrôle. Justement, les petits trucs qu'on voit ici, on peut insérer dedans, on peut retirer et remettre. Ok. Et ça peut faire aussi l'objet d'une quête, hein, donc enfin, d'une mission, pour d'aller les chercher, d'aller les récupérer. La peinture. Ouais, le guide de peinture, ce qu'il faut pour mener la Voilà. peinture. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le doré, là, le doré, le gris et des shutters. C'est vrai que ça va vite apprendre. Et la partie directe, du coup, comment on se sert des barricades. Ici, donc, les conduites. Il y a peut-être un effet qui fait que si on s'approche trop, il y a peut-être une sortie de plasma, quelque chose comme ça. Un truc en action aussi, on dirait. Donc, les règles pour jouer avec donc les règles sont pour utiliser. Pour passer au-dessus, sûrement, quelque chose comme ça. Ici, le scénario, donc la mission qui va avec. Je tourne. Donc la Death Guard, l'espace marine classique, hein. Des objectifs. C'est quoi ça, objectif? Donc ils doivent récupérer dévier l'énergie pour récupérer pour les ressources en fait. Beaucoup de figurines tu vois, à utiliser. Et donc on arrive à la dernière page avec les prochains conquêtes, donc le 34 et 3 Nurgle cette fois, 3 héros, hein, 3 chefs. Et le 35 avec le chapelain. Genre de prêtre quoi. Stylé. Et du coup, je le rends double celui-là. J'avais eu un normal et je le rends en version bleue. Du coup, voilà. Donc, voilà. Regardez vite fait, hop, les petites grappes. Alors, la boîte, j'ai pas fait attention combien elle coûtait sur Games Workshop. Je vais zapper. Et je me montre s'il n'y en a pas en s'il n'y a pas en double dans la boîte. C'est pas doublé évidemment. Ça doit être derrière ça, mon ami. Tu as fait focus ou je vois, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc voilà. Les conquests. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le conquest 34. Après, à mon avis, il y aura peut-être un petit break puisque la presse elle est fermée 3 semaines. Ouais. Donc elle les mettra de côté. Et après, on va se retrouver tout de suite pour l'Indominus, enfin le déballage de la V9, quoi. D'accord. Voilà. À bientôt. Au revoir. Salut.